Pendant très longtemps, j'ai rêvé d'être photographe, sans réellement l'être. J'ai commencé en fait assez tard, à 28 ans. Mais en gros, je peux te dire qu'à partir de 14-15 ans, voilà, c'était un rêve, mais comme beaucoup d'ados ont des rêves. Et j'aime bien cette phrase de Rimbaud qui dit « on va là où on pèse ». Eh bien, moi, j'avais beaucoup de poids dans la photo et finalement, quels que soient les projets que j'ai engagés, les études même que j'ai pu faire, finalement, à chaque fois, je pèse tout mon poids aller vers la photo. Et donc, à 28 ans, je me suis dit « non, vraiment, il n'y a rien d'autre, il faut que je me lance, il faut que je devienne photographe parce que je suis appelé et en tout cas, j'ai l'impression que c'est en faisant de la photo que je m'épanouirais le plus. » Je me souviens, c'était chez mon grand-père, il avait un livre d'histoire de la photo, il y avait cette photo d'Eggleston, d'un camion couché de soleil qui n'avait pas grand-chose et je ne comprenais pas comment on pouvait trouver cette photo belle, forte, et comment elle pouvait se retrouver dans un livre photo. Et en même temps, à chaque fois que je retournais chez mes grands-parents, je restais en pâmoison devant cette photo. Et donc, très lentement, progressivement, j'ai compris que là, il se jouait quelque chose au rapport au réel qui allait devenir important pour moi. Et sans doute, voilà, ça a été une des photos qui m'ont donné envie, finalement, d'être photographe. Il y avait une espèce de mystère, d'aura et d'énigme dans la photo que plus tard, j'aurais envie d'explorer. Je pense que la notion d'explication en photo est toujours un peu suspecte. C'est-à-dire que, pour moi, expliquer, dire exactement le pourquoi, le comment, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, me semble toujours amoindrir la qualité d'une image. Et donc, il y a toujours, j'espère, il faut qu'il y ait une espèce de mystère qui plane. On crée plus une ambiance qu'on fait une démonstration. Donc, je ne peux pas vraiment expliquer. Disons que moi, j'ai des thèmes récurrents sur lesquels je travaille et que je creuse en permanence. Mais c'est à chacun de s'en saisir, de les voir ou pas, de les approfondir à sa manière ou pas, même de s'y opposer. Mais je ne tente pas de faire une démonstration scientifique. Donc, je n'ai pas une explication concrète. Ce que je peux dire, c'est que je travaille donc sur le rapport au réel, évidemment tous les photographes le font, mais moi j'ai l'impression que la fiction aujourd'hui a totalement colonisé le réel. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut parler du réel et parler surtout de notre rapport au réel qu'à travers la fiction. C'est pourquoi voilà, je trouvais pertinent d'intégrer des personnages de la fiction, une fiction hollywoodienne très connue, au milieu d'un réel le plus prosaïque. Et de voir voilà, quel déplacement dans la perception ça pouvait engendrer. C'est vraiment une espèce de cheminement qui m'acère lentement. Et donc, à chaque fois, moi, ma réflexion autour du réel, de ma perception du réel, de la façon dont on le fabrique, dont on le reçoit, dont on le repense. Voilà, c'est quelque chose qui me hante en permanence. Et sur chaque série, voilà, je tente une hypothèse, je tente une idée, qu'elle soit visuelle ou poétique, voilà, pour voir si ça déplace des lignes, si effectivement ça permet de le réinventer d'une manière. Et j'ai vu ces petites figurines de Star Wars et je travaillais déjà sur une série en banlieue parisienne, mais que je trouvais un petit peu plate, un petit peu déjà vue. Et en passant devant ce magasin et en voyant ces figurines, voilà, là j'ai eu vraiment un déclic en me disant « mais c'est ça qui leur manque, photographier des personnages du fantastique et les intégrer dans le réel ». L'impression que malheureusement on publie très peu de livres, que finalement ça n'est pas encore rentré dans une habitude culturelle suffisamment large pour pouvoir produire et concevoir suffisamment de livres.
Donc ça, je le regrette infiniment, ce qui fait qu'il y a énormément de travaux de photographes qui restent dans des tiroirs. Donc, pour moi, c'est vraiment important parce que, alors, au-delà de l'exposition, qui est importante et qui permet de voir en grand des tirages, le livre, c'est vraiment ce qui va fabriquer le sens, ou en tout cas le pérenniser. Et puis, à notre ère de multi-écran, où on voit tous énormément d'images sur que ce soit sur l'écran d'ordinateur, de télé, etc. Le livre photo, c'est pour moi la seule chose qui permet d'entrer durablement dans la mémoire. Toutes les images que j'ai vues sur Internet, je finis par les oublier. Tous les matins, la première chose que je fais, c'est que je regarde un livre que j'ai peut-être déjà ouvert 150 fois, mais voilà, je le réouvre et je le redécouvre et grâce au livre, grâce à l'objet livre. Sans ça, j'ai l'impression qu'on est dans un flux permanent d'images, on ne s'arrête plus jamais. Et le génie de la photo, qui était la capacité d'arrêter le temps, mais surtout, ce temps-là permettait d'être pensé, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel on pouvait penser l'image, sur l'écran, il ne le permet plus, parce qu'une image chasse l'autre, parce que tout se vaut. Et pour moi, on a beaucoup de mal à parler de photographie uniquement en restant sur le stade des écrans. Mais je suis comme tout le monde, hein, je vais les voir, je trouve ça important. Mais l'essentiel, c'est pour moi vraiment le livre. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de mettre ces images dans un livre pour que ça fasse un bel objet. Il faut aussi réfléchir. Et voilà, Xavier Barral a cette capacité-là, d'où moi, mon vrai plaisir d'avoir publié cette série Dark Lens aux éditions Xavier Barral. Bah, globalement, je pense qu'il y a un vrai engouement. Hein. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce succès. Je pensais que ça allait plaire peut-être un petit milieu artiste, enfin des directeurs artistiques dans lequel j'évolue, un peu parisien, mais je vois bien sûr c'est un public beaucoup plus large, ça va d'enfants de 7-8 ans qui voient les images avec gourmandise comme un vrai public qui est plus habitué à la photographie contemporaine, qui voit aussi un intérêt. Donc la possibilité de cette série de s'ouvrir au plus grand nombre, moi, me fait infiniment plaisir. À ceux qui ne rentrent pas dans la série, qui ne la comprennent pas, qui estiment que c'est plus de la photo, ou que c'est une photo étrange, ou que comme elle est bidouillée avec des techniques modernes, ils ont du mal à la recevoir, ne m'ennuie pas du tout, parce que pour moi, ce qui serait le pire, c'est voilà, que ça ne provoque aucune réaction. Un souvenir FNAC. Oui, j'en ai un. Alors, j'en ai pas un précisément, mais je me souviens bien quand même que sans doute les premières expos que j'ai vues quand j'avais 10-12 ans, c'était à la FNAC. Voilà, mes parents n'étaient pas spécialement fanats de photos, donc ils ne m'ont pas amené voir des expos. Mais en allant à la FNAC, en allant acheter des livres, je ne sais plus, eh bien, je me souviens bien qu'on allait voir les fameuses galeries photos de la FNAC. Et je pense que pour moi, ça a été un des premiers rapports avec la vraie photo, c'est-à-dire la photo qui n'est pas la photo de carte postale, c'est-à-dire la photo d'auteur. Et du coup, quand on m'a proposé d'exposer ici à la FNAC, vraiment, c'est avec un vrai plaisir, parce que je me souviens que voilà, mes premières émotions de photographe ou de photo, en tout cas, je les ai eues grâce à la FNAC. Voilà, donc j'espère que vous allez continuer, parce que je vois qu'il y a de moins en moins d'espace et de moins en moins de galeries à la FNAC. Donc j'espère qu'au contraire, vous allez renouveler ces galeries, et parce que c'est très important à la fois de faire découvrir la photo à un public le plus large possible, et puis pour les photographes, d'avoir la possibilité de montrer leurs travaux, et pas seulement, uniquement dans quelques galeries à Paris ou en province, mais dans toutes les FNAC. Donc voilà, je vous encourage et j'espère que vous continuerez, puisque là, je crois que c'est une longue histoire d'amour entre la FNAC et les photographes.